Le sujet unique, si je peux le dire de ce matin, est Saint-Esprit, rends-moi plus utile. Dis-le, Saint-Esprit. Dis-le, Saint-Esprit. Non, dis-le, Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit. Je vais entendre quelqu'un qui est debout ce matin. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Rends-moi plus utile aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, rends-moi plus utile aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, ce matin, dans cette nouvelle saison, rends-moi plus utile. Rends-moi plus utile. Ajoute-moi de la valeur. Ajoute-moi de la valeur. Donne-moi plus de valeur. Donne-moi plus de valeur. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour me rendre plus utile. Acte 1, 8. Je vais lire dans trois versions. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, ils étaient à tourner autour de Jérusalem, autour de la Samarie, de la Judée. Mais avec le Saint-Esprit, ils ont maintenant la capacité d'arriver jusqu'aux extrémités. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, attends-toi à faire au-delà de ce que naturellement tu faisais. Quelqu'un dit amen. Nous recevons le Saint-Esprit pour faire au-delà du naturel. Oh, ce matin, le Saint-Esprit veut faire cela avec quelqu'un. Lui donner la capacité de faire au-delà du naturel. Amen. D'arriver là où naturellement il ne pouvait pas arriver. Il ne pouvait pas arriver à Rome. Mais avec le Saint-Esprit, Paul est arrivé à Rome. Ils sont arrivés à Antioche. Ils sont arrivés à Chypre. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il te donne des capacités de faire au-delà de ton diplôme, au-delà de tes études, au-delà de ton savoir-faire, au-delà des capacités naturelles. Le Saint-Esprit vient avec sa puissance donner des capacités pour aller jusqu'aux extrémités. Alléluia. Une autre version me dit ceci, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, pas de n'importe qui, du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins. Il dit, jusqu'au bout du monde, alléluia, jusqu'au bout du monde. Ça veut dire, avec le Saint-Esprit, on ne fait plus le travail à moitié. Amen. Avec le Saint-Esprit, on ne fait pas les œuvres inachevées. Avec le Saint-Esprit, tu reçois la capacité d'arriver jusqu'au bout de ton projet. Tu reçois la capacité d'arriver jusqu'au bout de ton affaire. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Voilà pourquoi tu commences à prier. Père éternel, donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende sur moi et me donne sa puissance afin que je sois ton témoin jusqu'aux extrémités dans tous les domaines, dans tous les domaines. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur moi. Est-ce que tu peux prier avec foi? Est-ce que tu peux prier, ouvre ta bouche avec foi? Ce n'est pas une parole en l'air. Prie avec foi, fais la demande avec foi. Demande avec foi, demande avec foi. Il a dit, si vous demandez l'esprit, et si les parents peuvent donner les bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison Dieu, votre Père, ne donnera-t-il pas l'esprit, ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui les lui demandent? Demande l'esprit, demande la puissance du Saint-Esprit pour que tu arrives à aller jusqu'au bout de ta mission, pour que tu atteignes les extrémités, pour que tu arrives plus loin, pour que tu ailles plus loin,
Pour que tu ailles plus loin, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qualifie, le Saint-Esprit rend capable d'achever l'œuvre, d'arriver là où naturellement je ne peux pas arriver. Ce matin, Saint-Esprit, descends sur moi, descends sur la CSM, descends sur la CSM, descends sur chacun de nous, descends ce matin. Père éternel, donne à la CSM l'Esprit, donne à cette Église l'Esprit. Donne-nous la puissance de l'Esprit. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Nous attendons la puissance du Saint-Esprit afin que nous soyons tes témoins jusqu'aux extrémités, dans tout Kinshasa, dans tout le Congo, dans toute l'Afrique, dans tout le monde. Tu nous as donné le monde comme territoire. Tu nous as donné les extrémités de la terre comme possession. Maintenant, nous avons besoin de ce revêtement qui nous amènera jusqu'au bout. Nous avons besoin de ce revêtement. Nous avons besoin de cet outil, la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Père, l'Église CSM et les frères et les sœurs demandent la puissance du Saint-Esprit pour ne pas s'arrêter en chemin, pour ne pas s'arrêter en chemin, que l'évangile du changement traverse les frontières à partir de maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que l'évangile du changement traverse les frontières de Mimosa, traverse les frontières de Kinshasa, traverse les frontières du Congo, traverse les frontières de l'Afrique, traverse les frontières de l'Europe, traverse les frontières de l'Asie, traverse les frontières de l'Océanie, traverse les frontières de l'Amérique, traverse les frontières, Père, par le nom de Jésus, que l'évangile de changement, par la puissance du Saint-Esprit, à partir de ce matin, je déclare que l'évangile de changement dont tu nous as mandaté traverse les extrémités, atteigne les extrémités. Maintenant, Seigneur, nous n'arrêterons pas le chemin, nous ne serons pas limités. La puissance du Saint-Esprit brise les limites, brise les frontières. Par la puissance du Saint-Esprit, les frontières sataniques, les frontières humaines, les frontières sont brisées. Par la puissance du Saint-Esprit, maintenant Seigneur, Père éternel, donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Donne à ces chrétiens, donne à tout membre de la CSM la puissance du Saint-Esprit pour remplir son mandat de témoin vivant de Jésus-Christ, pour témoigner de ta puissance, pour témoigner de ton amour, pour témoigner de ta force, pour témoigner de ta puissance, pour témoigner de ta compassion, pour témoigner de tes œuvres. Ce matin, Seigneur, descends sur moi. Est-ce que tu peux aspirer? Aspire à ça. Oh, aspire, aspire. Dis, Saint-Esprit, j'ai soif de ta présence. Je soif de toi. Je soif de toi. Viens. Moi-même, je n'arrive pas à aller loin dans l'œuvre, dans le ministère. Je n'arrive pas à aller loin. Dis-lui, Seigneur Saint-Esprit, je n'arrive pas à aller loin. Je suis limité dans les frontières de Mimosa. Je me sens limité dans les frontières de Ngaliema. Je me sens limité. Au travail, je n'arrive pas à témoigner. À la maison, je n'arrive pas à témoigner. Au quartier, je n'arrive pas à témoigner. Ce matin, comme tu l'as fait avec Pierre, ils sont sortis de leur maison. Lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, tu sors de la chambre haute, tu sors de la maison, tu sors ce matin. Dis, Saint-Esprit, viens sur moi, viens sur moi, je viens sur moi, faire tomber les limitations. Faire tomber les frontières. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth, viens sur moi. 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 Ce matin, Saint-Esprit, viens sur moi. Dis-lui ce matin, Saint-Esprit, viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance sans laquelle je n'irai nulle part. Sans laquelle je n'irai nulle part. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de cette puissance. J'ai besoin de cette puissance qui est plus qu'un diplôme académique, qui est plus qu'un diplôme de maîtrise, qui est plus qu'un diplôme de doctorat, qui est plus qu'un titre des hommes. J'ai besoin de cette puissance. Saint-Esprit, ce matin, souffle sur moi, descends sur moi, descends sur moi. Donne-moi sa puissance, donne-moi ta puissance, donne-moi ta puissance pour que je sois le témoin, témoin vivant des œuvres de Jésus, des capacités de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alors Jésus-Christ explique de quelle manière nous serons des témoins. Luc 4.
verset 14, Luc 4, à partir de maintenant, vois que tu as reçu la puissance de l'Esprit pour un travail précis. Alléluia. Nous cessons d'être des problèmes, nous devenons des solutions. Celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il cesse d'être un problème. Il devient une solution au problème. Luc 4, à partir de 14, on va lire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Avant de prier, retiens ça. Celui qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, il devient une source de solution. Est-ce qu'on se comprend? Il devient une source de fécondité. Il devient une source de productivité. Il devient une source de guérison. Il devient une source. Parce que beaucoup reçoivent l'esprit et ne savent même pas pourquoi. On ne reçoit pas l'esprit pour tomber par terre. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit sans manifestation extérieure. On a vu au résultat. Amen. Je vous demande, quelle est la manifestation extérieure que Élisée avait reçu l'esprit de Élie? Quelqu'un peut me dire? Aucune manifestation. Mais quand est-ce que les gens ont su qu'il a l'esprit d'Élie? Lorsqu'il était devant le problème. Est-ce que l'esprit de Dieu, on a besoin plus de la manifestation de l'esprit devant le problème et non dans la prière juste que les gens tombent, les gens se roulent par terre. Ça, les gens ont programmé ça dans leur tête. Ce n'est pas mauvais, c'est bien que les gens tombent. C'est bien que les gens soient secoués. C'est un signe. Mais ce n'est pas l'utilité du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'as compris? C'est bien. On a besoin de voir ça. On a besoin de voir qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas refuser ça. On en a besoin. Mais j'aimerais faire la différence. Que l'Esprit de Dieu ne vient pas pour que tu tombes, pour que tu sois secoué. L'Esprit de Dieu vient pour te rendre utile. Alléluia. Là où tu n'as pas de diplôme, l'Esprit de Dieu te rend utile. Dis amen. Là où tu n'as pas de relations humaines, les gens qui peuvent te propulser, l'Esprit de Dieu te rend utile. Il est important de te voir. Hier, on a parlé de ça. De changer la vision de toi-même. Désormais, tu deviens utile. L'obstacle devant toi est là pour confirmer que tu as la puissance de changer les choses. Je te dis, l'obstacle qu'il y a dans ta famille, l'obstacle qu'il y a dans ce pays, nous avons reçu l'Esprit pour ça. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pas automatiquement, mais pour avoir fait quelque chose. En d'autres termes, si tu comprends qu'on reçoit l'Esprit pour devenir utile, le monde entier va parler de toi. Oh, je dis, le monde entier va parler de toi. Le monde entier va avoir besoin de toi. Je dis au nom de Jésus, comme tout le monde a besoin de l'eau, toi aussi on aura besoin de toi. Ah, ton amen me dérange. Je dis comme le monde, païen ou non, enfant ou non, blanc ou non, noir, rouge, jaune, américain, africain, européen, asiatique, tout le monde a besoin de l'eau. Jésus-Christ a pris le bon exemple. Il dit, celui qui prendra de l'eau que je lui donne, il parle du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive. L'eau. Tout le monde a besoin de l'eau. Il n'y a pas de frontière pour l'eau. Alléluia. Tu es un homme sans frontières. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un homme sans frontières. Tu deviens un homme sans frontières. À la présidence, tu entres. À la primature, tu entres. À l'Assemblée nationale, tu entres. Au Sénat, tu entres. Dans les institutions publiques, tu entres. C'est ça le bénéfice de la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas là à rester sur place. Tu entres partout. Parce que dans le monde, il y a les ténèbres, il y a la soif. Et tu es là pour arrêter la soif, pour assouvir la soif. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas à tomber par terre, ce n'est pas à tourner par terre. C'est la manifestation, mais ce n'est pas l'utilité. Alléluia. Tu es l'eau au nom de Jésus. Je dis le fleuve d'eau vive coule maintenant. Je dis le fleuve d'eau vive coule maintenant. Je dis au nom de Jésus. Tout ce qui bouchait
la source de faire couler de l'eau est enlevée au nom de Jésus. Dis-le avec moi. Tout ce qui bouchait ma source, tout ce qui bouchait ma source, tout bouchon, toute saleté qui empêchait que des fleuves coulent de moi, je l'enlève. Là-bas, c'est que bouché ya baba ça. Rababa ye que le chaka yosa. Et que les sendele ya baba. Rabo chaka yese. Tout ce qui empêchait que l'eau qui est en moi, l'eau vive, coule dans ma nation, dans ma ville, dans ma famille. Ces bouchons-là, la pierre est enlevée. L'eau coule maintenant. Dis-le, la pierre est enlevée. L'eau coule de moi. L'eau coule de moi. L'eau coule de moi. L'eau coule de moi. L'eau vive. L'eau qui donne la vie. L'eau qui donne la vie. L'eau qui arrête la mort. L'eau qui arrête la maladie. L'eau qui arrête la pauvreté. L'eau qui arrête le problème. L'eau qui arrête toute forme de défi. Cette eau coule maintenant. Partout où l'eau arrive, ça donne la vie. Partout où cette eau arrive, ça donne la vie. Ce matin, au nom de Jésus, j'enlève toute pierre dans ma vie. Tout ce qui bloque l'eau vive de couler de moi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen et acclame le roi de rois. La parole de Dieu nous a dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Bien-aimé, quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu n'es plus déshonoré, tu es glorifié. Jésus-Christ dit, je leur ai donné ma gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces J20, finis la vie des déshonneurs. Je dis, finis la vie des déshonneurs. Parce que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Partout où tu vas passer, on va t'apprécier. On va chanter tes louanges. On va vouloir de toi. Tu ne seras plus rejeté. Tu ne seras plus rejeté. Tu ne seras plus rejeté. Comme on ne rejette pas l'eau pure, toi aussi on ne va pas te rejeter. Comme on ne rejette pas l'eau vive, toi aussi on ne va pas te rejeter. Je déclare ce matin, CCM, la saison du rejet est derrière toi. Maintenant, après cela, tu deviens honoré, tu deviens glorifié. Lorsque l'Esprit vient sur toi, il y a un après, il y avait un avant, tu étais déshonoré, il y a un après, il y a un changement. Lorsque l'Esprit vient sur toi, après cela, tu es glorifié, après cela, tu es recherché, parce que tu es utile, tu es recherché, c'est simple, on te recherche, c'est simple, on te recherche, c'est simple, on te recherche, à cause de ton utilité, au nom de Jésus, la gloire est sur toi, 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 dis-le sur moi-même, dis-le sur toi-même, dis-le sur l'église, la gloire est sur moi, 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 je suis glorifié, pas déshonoré, je suis glorifié, pas déshonoré. À partir d'aujourd'hui, la CCM, ses cultes, son emplacement, honoré, 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 je suis honoré, à gauche je suis honoré, à droite je suis honoré, devant je suis honoré, derrière je suis honoré, partout où je passe je suis honoré, je suis honoré, je suis honoré, je suis honoré, partout où je passe, je suis glorifié, comme Jésus, à cause du Saint-Esprit sur moi, partout, je suis glorifié par tous. Je suis glorifié par tous. Au nom de Jésus, Satan t'a fait croire que parce que tu n'as pas le diplôme, tu es détesté. Satan t'a fait croire, ta famille t'a fait croire que parce que tu n'as pas de voiture, tu es sujet au déshonneur. Parce que tu n'as pas l'argent. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu sur toi, tu es glorifié par tous, par tous, par tous. Ainsi que dit la parole de Dieu, à cause de l'Esprit sur moi, je deviens un sujet de glorification. Les gens me glorifient. Au nom de Jésus, c'est mon héritage, c'est mon partage, c'est ma portion. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, fini le voile du déshonneur. Je déchire, j'enflamme le voile du déshonneur qu'on avait mis sur l'église, qu'on avait mis sur ta maison, sur ta vie. Je déchire cela. Je déchire
tout voile satanique de la honte, tout voile satanique du rejet, je le déchire, je le brûle, le feu le brûle, j'envoie dans le feu tout voile qui a mené sur toi les déshonneurs. Les gens ne voyaient rien d'utile en toi. À partir de maintenant, les gens voient la gloire de Dieu en toi, la gloire de Dieu en toi. Les gens le voient, les gens le voient. La gloire est visible à la CCM, dans la, partout où tu es, au travail. Tu es membre de cette église, tu as adhéré à cet évangile. Maintenant, je dis, partout où tu passes, on t'honore, on t'honore. Au nom de Jésus, les voiles nouveaux sont sur toi, le voile de l'honneur, l'habit d'honneur, l'habit d'honneur. L'habit de gloire est sur toi. L'habit de gloire est sur toi. L'habit de gloire est sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit, l'habit de gloire est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, l'habit de gloire, le vêtement de gloire, le vêtement de gloire, le vêtement de gloire, le vêtement de gloire dans les finances, dans les affaires, au travail, au parti politique, au Sénat. Partout où tu es, on t'honore parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. La Bible dit au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pas pour tomber par terre, pas pour jouer avec les filles, pas pour chanter, non, pas pour... comment je dirais, danser, non. Même si je danse, est-ce que les gens, vous m'entendez? C'est pour laisser couler la puissance de l'Esprit. Même si je prêche, c'est un canal pour laisser couler la puissance de l'Esprit. Même si je torchonne, un canal pour laisser couler la puissance de l'Esprit. David chantait et l'Esprit de Dieu coulait. David chantait. Il faut un métier, une activité pour faire couler l'Esprit. Alléluia. Il faut une activité, il faut un métier, il faut une occupation. Mais l'occupation, sans la conscience de son utilité, ça ne servira à rien. Quand tu torchons, tu es en train de dire, l'Esprit de Dieu souffle dans cette salle. L'Esprit de Dieu coule dans cette salle. Je suis en train de transmettre la vie. On l'a appris. Il y a des églises qui ont été vidées à cause des torchonneurs. Pendant qu'ils torchonnent, ils sont en train de parler à l'air des mots, de faire sortir les gens. Maintenant, toi, quand tu t'enchantes, tu es en train de dire, j'amène la vie dans cette église. Là-bas, c'est que Yababacha. Pendant que je t'enchante, j'enlève la saleté, j'enlève les déshonneurs, j'enlève la sécheresse, j'amène la vie là-bas, ça, baba. Donc, même au torchon là-bas, tu amènes la vie. Il n'y a pas une activité dans l'église qui ne soit spirituelle et capable d'amener la vie. Est-ce que tu comprends? Même à la cuisine, tu es en train de cuisiner pendant la retraite, tu es en train de dire, je transmets la vie à ceux. Quand quelqu'un mange, on a ensorcelé les gens par le manger. Toi aussi, tu peux impacter les gens par le manger, frère. C'est ce que je suis en train de dire. Vois au-delà. L'Esprit de Dieu te rend plus utile. Vois au-delà. Dis-le à partir de maintenant. Je vois au-delà. Au-delà de l'action. Je vois l'impact. À partir d'aujourd'hui, je vois au-delà. Au-delà de l'action, je vois l'impact. Je vois le résultat. Si on a ensorcelé les gens par le manger, moi, par ma cuisine, je vais impacter les vies. Je vais transmettre la vie. Je vais transmettre l'esprit. Si on a ensorcelé les églises par les torchons, moi par mon torchon, j'enlève la mort, j'amène la vie, j'enlève les déshonneurs, j'amène la vie, j'enlève la sécheresse, j'amène la vie au nom suprême de Jésus-Christ. Si on a ensorcelé les gens par les tracts, moi par mes tracts, je transmets la vie. Voir au-delà de l'action. C'est ça être spirituel. Beaucoup se focalisent sur l'action et non sur l'impact. Quand David chantait, nous les gens de cette génération, on va dire, waouh, quelle belle mélodie. Mais Saül n'avait pas besoin de la belle mélodie. Saül avait besoin d'être soulagé.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Chante. Arrêtez de nous donner la belle mélodie. Donnez-nous la vie. Arrêtez de nous donner les bons sermons. Donnez-nous la vie. Arrêtez de nous donner la propriété extérieure du temple. Amenez la vie. Arrêtez de nous donner les bons repas pendant la retraite. Donnez-nous la vie. Alléluia. Dieu va te récompenser sur le résultat et non sur l'action. Dis avec moi, je vois au-delà. Désormais, je vois au-delà. Plus que l'action. Plus que l'action. Non, dis-le, tu es debout, on est déjà le matin. Dis-le, plus que l'action. Dis-le, plus que l'action. Le résultat. L'impact. La conséquence. Écoute-moi, frère. Si tu ne penses pas à la conséquence, tu n'auras pas les salaires de Dieu. La conséquence spirituelle de ton action. Pense à la conséquence spirituelle de ton action. Focalise-toi sur la conséquence spirituelle de ton action. Et tu verras que les choses vont changer désormais. Ne te focalise pas uniquement sur l'action. Ce n'est pas mal de bien chanter, de respecter les notes. Ce n'est pas mal de mettre tous les produits. Même quand les produits manquent. Saint-Esprit, tu es le principal produit. Est-ce que tu m'entends? Quand le produit manque, un ingrédient manque, tu dis Saint-Esprit, tu es le principal produit. Tu peux mettre cube magique, Jimbo, je ne sais pas, tout ça. Mais s'il n'y a pas l'esprit, devenons spirituels. Dis, je redeviens spirituel. Dis, je redeviens spirituel. Dis, je redeviens spirituel. On a vu l'histoire des bonnes, en train de, à l'absence des parents, des responsables de la maison. Il prépare, il prend ses urines, il met dans le manger. Il la sorcelle. Le mari qui aimait sa femme commence à aller vouloir dormir avec la bonne. Au travers quel mécanisme? Il a mangé. Quel est le résultat spirituel de tes actions? Regarde l'impact spirituel de ton action. Les hommes de cette génération regardent à l'impact charnel. On l'a dit hier. Les hommes s'arrêtent à ce qui frappe les regards. Il n'y a pas de résultat pour Dieu. Regarde à l'esprit. La Bible dit, waouh, il a dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je cesse d'être inutile. Dis-le avec moi. Je cesse d'être inutile. Dis-moi, David Lelou, je cesse d'être inutile à cause du Saint-Esprit en moi et sur moi. Je suis une solution pour les pauvres. Je suis une solution pour les pauvres. Ma parole donne la solution aux pauvres. Mes paroles donnent la solution aux pauvres. Mes paroles donnent la solution aux pauvres. Pense à ça. Pierre est là devant la porte. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a une valeur au-delà de l'argent. Arrêtez ces gens qui vous disent sans argent, l'onction ne coule pas. C'est un menteur. C'est un voleur. Le Saint-Esprit n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer une personne à l'argent. Ce n'est pas le confort qui donne l'onction. C'est l'onction qui donne le confort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi on va te glorifier? Parce que tu amènes une bonne nouvelle aux pauvres. Dis-le, pourquoi on va me glorifier? Parce que je commence à amener une bonne nouvelle aux pauvres. Parce que j'amène une bonne nouvelle aux pauvres. On va me glorifier. Au point de vue pratique, quand tu vas voir un bon médecin, tu vas faire ses éloges. Et gynécologue a bien kokende kunate nga nakutana ba gynécologue. Mais David Lelou, ah, gynéco moko ya bien. Bango nyonso basali gynécologie.
Mais impact et moussala naïe, ne pèse le coup. Avoir le Saint-Esprit sur toi, c'est comme avoir les diplômes. Mais si ce diplôme n'est pas démontré sur le terrain, tu n'auras pas la glorification. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis, désormais, je pense au-delà. Il est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il continue. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Avec l'onction de l'Esprit sur toi, tu cesses de dire, j'ai estomac à gauche, j'ai estomac à droite, mon témoin ça n'a pas si. Dis, c'est fini au nom de Jésus. Dis, c'est fini au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Mon cœur n'est pas brisé. Mon cœur n'est pas malade. Je n'ai pas de blessures intérieures. Je n'ai plus de blessures intérieures. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Toute blessure intérieure est terminée. Toute blessure intérieure est cicatrisée. Tout problème d'estomac est parti. Tout problème de tension, d'hypotension a disparu. Maintenant, moi, dis-le, maintenant, moi, je commence à guérir les cœurs brisés. Par l'onction du Saint-Esprit, je commence à guérir les cœurs brisés. Partout où je passe, les cœurs brisés sont guéris. Dis-le, partout où je passe, un cœur brisé reçoit la guérison. À partir de maintenant, je ne suis pas un briseur de cœur, mais je suis un guérisseur de cœur. Je ne suis pas un briseur de cœur, mais je suis un guérisseur de cœur. Je ne suis pas un briseur de cœur, je suis un guérisseur de cœur. Je ne suis pas un briseur de cœur, je suis un guérisseur de cœur. Alléluia. Toute maladie de cœur est guérie au nom de Jésus. Quelle que soit la cause de ces blessures intérieures, la puissance du Saint-Esprit en toi est incompatible avec un cœur brisé. Tu ne peux pas avoir un cœur brisé et guérir le cœur. Jésus, face à tous ceux qui étaient en train de lui faire du mal, son cœur n'était pas brisé. Il leur disait, Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonne. Dieu ne vous impute pas vos fautes. Dieu vous pardonne. Il transmettait la vie. Tu peux prêcher l'amour, mais si ton cœur est brisé, tu vas briser le cœur. Parce que les mots sont spirituels. Mes paroles sont esprit et vie. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Dis-le parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Aucune personne ne sera encore prisonnier. Partout où je passe, les opprimés sont libérés. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Toute oppression s'arrête dans ma vie. Parce qu'il faut être libre pour libérer. Moïse devait sortir de l'oppression, lui d'abord, pour venir sortir les autres après. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc tu dois être conscient que l'Esprit de Dieu vient sur toi et t'a libéré de l'oppression satanique pour que tu libères les autres de l'oppression satanique. C'est en cela que tu es utile. Dis désormais, au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est sur moi, ce matin, toute oppression dans ma vie est terminée. Toute oppression dans ma santé est terminée. Toute oppression dans mes finances est terminée. Toute oppression dans mes études est terminée. Quiconque voudra m'opprimer sera brisé. Quiconque voudra m'opprimer ne réussira plus. Je ne suis pas sujet à oppression. Je ne suis pas sujet à oppression. Je ne suis pas qualifié pour être opprimé. Je ne suis pas sujet à oppression. Aucune oppression démoniaque, humaine, ne peut me retenir, ne peut me blesser. Aucune oppression, je ne serai pas victime de l'oppresseur. Je ne serai plus victime de l'oppresseur. La CCM, ointe du Saint-Esprit, ne sera plus victime de l'oppresseur. Au contraire, je vais libérer, je vais sortir, délivrer. Tous ceux qui sont opprimés, à partir d'aujourd'hui, partout où je passe,
Partout où je passe, j'envoie libre les opprimés. J'amène la liberté. Moi-même, je suis libre de la pauvreté. Dis-le, je suis libre de la maladie. Je suis libre des dettes. Je suis libre de tous ces problèmes. Dis-le, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre par la puissance du Saint-Esprit. Je suis libre de toute forme de sorcellerie, de toute forme d'attaque satanique. Je suis libre de toute forme de désert. Je suis libre et je libère au nom de Jésus-Christ pour proclamer aux captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà l'utilité du Saint-Esprit sur toi. Si tu ne vois pas ça, tu n'auras pas ça. Beaucoup disent, le lobat ma kouite, le lobat ma changamou kite. Regarde à quoi on limite le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nos vies, même avec le Saint-Esprit, ne compte pas. Écoute-moi, ce matin, le Saint-Esprit te donne une utilité au-delà. Quelle était l'utilité d'une ânesse transportée Balaam? L'utilité de l'ânesse naturelle, c'était de transporter Balaam. Mais lorsque la main de Dieu est venue sur lui, l'ânesse est devenue plus utile que naturellement. L'Esprit de Dieu sur toi te donne une utilité au-delà de ton diplôme. Dis Amen. Je dis ce matin, l'Esprit de Dieu sur la CCM, sur toi, te donne une utilité au-delà de ce que les gens savent de toi. Ah. La Bible dit au sujet de Pierre, mais comment il parle comme ça? Ce sont les gens qui n'ont pas étudié. Et il savait que les gens là sans études ne peuvent pas bouleverser. Mais à cause du Saint-Esprit sur eux, leur niveau d'utilité a augmenté. Je dis-le ce matin, mon niveau d'utilité augmente. Oh, je dépasse ce que les gens attendent de moi. Je fais au-delà de ce que les gens voient de moi. Je fais au-delà, au-delà, au-delà. À partir de maintenant, je commence à faire au-delà de ce que les gens attendent de moi. Je commence à faire au-delà de ce que les gens voient à moi. Je commence à faire au-delà. Alléluia. Nombre 22, 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Ouvrit la bouche de l'ânesse. La bouche de l'ânesse s'ouvrait pour manger. Maintenant, la bouche de l'ânesse s'ouvre pour parler. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, ton usage est transformé en plus utile. Alléluia. Oh, quelqu'un reçoit ça ce matin. Ton usage, tu étais juste un torchonneur. Regarde cette fille dans la maison du général Naaman. Elle était limitée. On lui avait assigné uniquement le rôle de torchonner. Mais ce jour-là, elle a donné une utilité au-delà. Oh, à partir de maintenant, que ton utilité par le Saint-Esprit se révèle. Se révèle. Là-bas, Cheke Yose Yababa Yekela. Rikebo Sababa Ikelesa. Rabba Yekelo Yekabasha. Une utilité au-delà. 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 La bouche de cet animal. La Bible dit. On parle de la bouche, n'est-ce pas? Ouvrir la bouche. Mon fils, en bon français, l'animal a la bouche. Non, l'animal a quoi? Une gueule. Voyez? Quand l'esprit vient sur toi, même les noms changent. Même les noms changent. Le nom humiliant va être enlevé. Le nom de honte est enlevé. Le nom de honte est enlevé. On te donne le nom d'honneur. Reçois le nom d'honneur. Reçois le nom d'honneur. Bayeke bosa, bayeke bosa. La yeke, la kababa yeke. Ike bayeke le bosa. La kabasha yeke leke bosa. Ike le ya bosa. Rande le kabosha yeke. La kabaye yeke lesa. Manda la kale soya.
Rabaye Kemosa Lakala Seye Kemosha Inere Kabaye Lawo Yaba Sae Kabasa Siele Kaboshereya Kababaye Nalasa. La gueule, ça veut dire quand l'esprit vient sur toi, tu cesses d'être animal, tu deviens un homme. Hey, yabosa, baba. L'endela, yaba, shekela, ça. Quand l'esprit vient sur toi, tu cesses d'être une chose. Tu cesses d'être un animal. Tu deviens une personne. Oh, dis je deviens quelqu'un. Dis je deviens quelqu'un. Dis-le, je deviens quelqu'un. Parce que l'esprit de Dieu sur moi, je deviens quelqu'un. Je deviens quelqu'un. Je deviens quelqu'un. Dans ce pays, je deviens quelqu'un. Dans ma famille, je deviens quelqu'un. Dans ma société, je deviens quelqu'un. En Afrique, je deviens quelqu'un. À Kinshasa, je deviens quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je deviens quelqu'un. Oh, salé kebosha, baba. Linde kebosa. Rabba yendele saba. Jikele souyabasa. Lae kelesa. Ndaka lao koboshelele sa. Banda leke, robo shabasa, la kele so kaba yekelele sa, banda leko lasho leke se, ikele saba, kole shende la kosa, banda leke bo shaba yeke, la kele sendele akababa ye, la neke bo sa, kaba ye, lo ke se, banda kale sheke la baba ye, kole saba ye, kaba ye ndolo saba isha, kanda lo yeke, Sabala kabasa, rikende lo se, ba yekele sabaya, lo shekala, kende, kobe, sabe, kele, sabashaka la se, inde la bosandaka, balande ko shike, siye balaka, baye loye kunda bosabaye, kabasa, kile, baye shake, sike, raba, shake, sike, lake, Seke, baye, kele, seke. Sabaesha. Les hommes de la terre disent, batanga batu, batanga peyo. Lobasiko na komi mutu. Loba na komi mutu. Bako tanga penga. Na Kinshasa bazo tanga penga. Na RDC bazo tanga penga. L'honnêteté a parlé. Quand l'esprit vient sur toi, tu deviens plus utile que naturel. Oh, ton utilité augmente. Ton utilité augmente. La Bible dit au sujet de Samuel et Saül, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. La Bible dit que les gens disent, les proverbes, Saül aussi est-il devenu prophète? Je dis à quelqu'un, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, les gens vont te demander, toi aussi tu es devenu riche, toi aussi tu es devenu véhiculé, toi aussi tu es devenu important, toi aussi tu commences à parler à la télévision, toi aussi on te reçoit chez le président, depuis quand? Depuis quand? C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. On te compte parmi les gens exceptionnels. À partir de maintenant, à cause de l'Esprit de Dieu sur toi, on te compte parmi les gens exceptionnels, parmi les gens extraordinaires, parmi la classe montante, la classe dirigeante, au nom de Jésus de Nazareth, à cause du Saint-Esprit sur toi, à cause du Saint-Esprit sur toi. Saül aussi est-il prophète? Le Saint-Esprit change ton identité et ton utilité. On te connaissait chercheur de gardien de troupeau de ton père. Maintenant, on te connaît comme prophète et plus tard comme roi. Pour dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, ton utilité augmente. Ton utilité va augmentant. J'ai dit ton utilité va augmentant. Tu n'es plus quelqu'un d'inutile. Tu es quelqu'un d'utile. Tu cesses d'être inutile. Tu cesses d'être inutile.
ton utilité monte. Au nom de Jésus de Nazareth, ton utilité monte. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Acte des apôtres 19, la Bible dit, au point qu'on appliquait sur le malade des linges et des mouchoirs qu'avait touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Le mouchoir n'a comme utilité que d'essuyer la sueur ou la saleté. Mais ce jour-là, le mouchoir commence à chasser les démons. Ah, Baba, ça y est. Ah, si un mouchoir peut le faire, moi aussi par le Saint-Esprit. Un mouchoir, écoute, on a dit le mouchoir. Le mouchoir a pour but de recevoir la saleté. Qui peut appliquer sur quelqu'un d'autre un mouchoir qu'on a utilisé? Nalobi, batu bakoyako kangamana yo. Yo zalaki mouchoir, okomi recherché. Balobi, il prenait. Mouchoir ou esengel babouaka na foulou. Bazu yango bakyo tchalango moutou. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu comprends la profondeur de la révélation ce matin? Est-ce que tu comprends cela? Un mouchoir n'est pas utile pour deux personnes. Un mouchoir est utile pour une personne. Mais à partir du moment où le mouchoir reçoit l'esprit, il devient utile à tout le monde. La limite de ton utilité est repoussée au nom de Jésus. Ah, ton amen me dérange. Les limites de ton utilité sont brisées ce matin au nom de Jésus. Ah, ton amen me fait mal. Est-ce que tu imagines que la société te voit comme un mouchoir? Mais le Saint-Esprit fait de ces mouchoirs un instrument de guérison, un instrument de solution. Au-delà de la solution habituelle, un mouchoir. Vous voyez un peu le type de chant qu'il faut composer. Dieu m'a rendu utile. Pas dire Zambe Moukoloni ni Nord. Depuis Moukoloaïa, mouchoir et comment Nangouya. Mouchoir ya mutumoko ekoma na banda kunyoso. Mouchoir ngayo mouchoir na koma ko pangu saka pisolite miyoyote mais na koma ko pesa lise kwa. Ngayo mouchoir na koma na puissance ya guérison. Ngayo mouchoir na koma na puissance ya kobenga na bademo. Ngayo mouchoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand quelqu'un chante ça, une raison de dire merci à Dieu. Ngayo mouchoir. Na koma ko bikisa. Ngayo mouchoir. Na koma na compétence ko le kaba médecin. Alléluia. Est-ce que tu vois ça? Pendant que je parle, vois, c'est toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Ngayo mouchoir. Na komi plus honoré que ma médecin. Ngayo mouchoir. L'habit de Jésus devait couvrir sa nudité. Mais l'habit de Jésus commence à guérir. Lorsque l'Esprit vient sur toi, tout ce que tu as acquiert une valeur ajoutée. Le couturier a fait l'habit pour te couvrir, te rendre belle. Mais l'Esprit de Dieu prend cet habit, ça devient un médicament. Aïe, 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 aïe. Une utilité au-delà. Je vais m'arrêter là. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci pour ce matin. Élève ta voix. Commence à remercier, à rendre grâce à Dieu. Célèbre le Seigneur. Célèbre Dieu. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ce matin? Pour tout ce que tu as entendu du Seigneur. Pour tout ce que tu as entendu. Toutes les paroles qu'il a envoyées. Est-ce que tu peux les célébrer? Est-ce que tu peux les célébrer? Je n'ai pas dit de te distraire. Célèbre-les. Quelqu'un qui a fait ça de toi. Quelqu'un qui a fait ces choses dans ta vie. Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas le chanter? Pourquoi ne pas danser pour lui? Pourquoi ne pas sauter pour lui?
Il m'a rendu plus utile que la société m'avait donné d'utilité. Il m'a donné plus d'utilité que mon diplôme. Il m'a donné plus d'utilité que mes études. Il m'a donné plus d'utilité que mes parents m'avaient donné. Il m'a donné plus d'utilité que ma naissance m'avait donné. À la naissance, j'étais une ânesse. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur moi, je suis devenu un homme. Je commence à parler. Alléluia. Lorsque les fabricants m'avaient fabriqué, c'était pour enlever la sueur, enlever la morve. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, je suis devenu un médecin. Je suis devenu un grand médecin. Un grand médecin. Je suis devenu puissant pour chasser les démons. Moi et mon choix. Moi et mon choix. Moi et mon choix. Moi et mon choix. Je suis devenu très utile. J'étais né de la famille de Benjamin, qui ne devait pas être roi, même pas prophète. Mais à cause de l'Esprit de Dieu sur moi, je suis devenu prophète et je suis devenu roi. J'ai pris la fonction des deux tribus sur moi. Là-bas, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur moi, il m'a donné plus de valeur que mes études, que ma nature, que ce que la société m'a donné. Une raison de lui dire merci, une raison de le célébrer, une raison de dire merci. À partir de maintenant, je vais vivre selon mon utilité et je vais vivre la glorification, l'honneur. Et partout dans ces pays, on va parler de moi. Car lorsque l'Esprit de Dieu vient sur moi, les limites tombent. J'arrive jusqu'aux extrémités. Merci Saint-Esprit, car tu fais tomber mes limites. Car tu fais tomber mes limites. Au nom suprême de Jésus. Père, Saint-Esprit, je te dis merci pour ce matin. Merci pour l'action de l'Esprit dans la vie de chacun. Merci de faire des relais vivants de ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit amen, acclame le roi de rois. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois et le seigneur de seigneurs? J'aimerais t'inviter, soit par l'aide de notre technicien, quand tu es dans la salle, il les remet en boucle. Tu prends sur Facebook, pas sur YouTube, parce que tu ne pourras pas les télécharger. Tu prends, oui, même sur YouTube, tu les fais tourner en boucle. Que tout le monde qui viendra aujourd'hui entende ça. Que ça tourne, pas la musique. Faites entendre ce message. Il faut que les gens soient impactés. Il y a une onction particulière dans ce message ce matin. Il y a une onction spéciale. Il faudrait que ça entre, que ça devienne toi. Il faut que ça entre en toi. Il faut que ça te révolutionne. Écoute-les en boucle toute la journée. Réécoute, prie, réécoute, prie. Mets un bon son, pas trop de lourdeur. Que ça soit clair, juste le son, pas de lourdeur. Que ça soit en bas, en haut, pas trop fort. Tout le monde entend pendant qu'on fait le travail. On réentend ça jusqu'à la fin de la journée. Et quelque chose va se passer. La saison a changé. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu a pris la charge pour nous amener jusqu'aux extrémités. Nous n'allons plus nous arrêter. Dis avec moi, nous n'allons plus nous arrêter jusqu'à arriver à l'extrémité. Rien ne va nous arrêter. Nous allons arriver à l'extrémité. Nous avons mandat d'amener le réveil par une connaissance authentique et une puissance authentique. Quel est notre mandat? C'est simple, amener un réveil authentique au moyen de la parole authentique et de la puissance authentique. Ça va se faire. Et ça a commencé. Ça ne sera pas que moi, toi qui écoutes ma voix, tu es impacté. La parole que je te donne la vie qu'il y a dans cette parole. Je ne donne pas une parole que je ne vis pas. Dieu par nature, il m'a fait ainsi. Et il m'a amplifié avec l'onction. Un révolutionnaire. C'est lui qui ramène les choses dans l'ordre. Et pour cela, il faut la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. On se voit à quelle heure jeudi? Je risque d'avoir un souci parce que...